first. Yes, 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 go. Pode comemorar, galera, o Barco BR, que é o grande campeão da classe moto. Uma salva de palmas, esses caras merecem. Tá aí, ó, conduziram com maestria este barco da França até aqui em Itajaí. Muito bacana pra ficar contigo pro bicampeonato da classe moto. Que é isso, hein? É isso aí, capitão Vicente Liu e seu parceiro Sebastião Pontão, de parabéns. E agora a gente vai dar um tempinho aqui. Ouais, ouais, bon match parce qu'au final ils nous ont pas laissé beaucoup de répit derrière. Avant hier matin, je crois qu'il n'y a jamais eu plus de 35 000 d'écart entre le premier et le deuxième. Sur une course de 5 000, 500 000 comme ça, je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est assez engagé. Il y a eu un paquet de changements de leader. Il y a le podium final, aura chacun eu un moment la tête de la flotte. Non, c'était vraiment une belle course, quoi. Voilà. On était venu pour ça, mais. On a trouvé ce qu'on cherchait, la compète. C'était un plaisir, un grand merci à Vincent de m'avoir accueilli à bord. C'était assez impressionnant de le voir fonctionner. Je pense que c'est assez rare d'avoir l'opportunité de naviguer avec des grands marins comme ça. Et puis voilà, Vincent il est très complet. Il a des qualités qui lui permettent d'être au top en IMOCA aujourd'hui. Il maîtrise bien son bateau, le côté technique, le côté navigation, tout ça. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et puis la victoire, c'est toujours un petit bonus qui fait du bien, quoi. On a travaillé nos sensations sur la Transat Jacques Vabre. Ouais. Parce que dès la première nuit de course, on est tombé en panne de centrale de navigation et on a tout fait avec comme seul affichage la roue de fond et la vitesse fond. Donc jamais ni la force, ni l'angle, ni la direction du vent. On a fait ça. On a même pensé mettre les rubans dans les haubans à un moment, comme on faisait quand on était petit en 420. Notre objectif, c'était vraiment de venir chercher cette victoire sur la Jacques Vabre. Donc voilà, c'était vraiment un projet autour de cette course-là. Et je dois avouer que j'ai un peu oublié le Vendée Globe et tout ce qui va autour. J'étais avant tout venu là pour faire une belle course parce que y a des gens qui prennent la Transat Jacques Vabre pour une course d'entraînement ou une course de préparation. Moi, je trouve que la Jacques Vabre, c'est aujourd'hui une des grandes classiques de la voile française et qu'elle mérite d'être considérée en tant que telle. Hein. Donc voilà. Donc on était venu clairement pour gagner la Jacques Vabre et c'est fait. Bravo Pascal. Ouais. Ça va les gars? Ah ouais, impeccable. Alors? Monsieur, bravo. Monsieur Erwan. Ah, je suis Vincent. Ça va? Bravo aussi. Ah, François. Champion. Salut. La somme. Hop là. Bon. Il n'y a que des vainqueurs hein, pour le moment. C'est bon, tout le monde est content, il n'y a personne de frustré. On va pouvoir aller boire un coup, c'est nickel.